إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandir et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa faveur et sa permission, les fins préserve nous la vie, et lui encore et préserve l'iman dans nous les cœurs. Et comme ça même nous demande les pour préserver nous l'eau sur ibadat, pour préserver nous l'eau sur l'obéissance, pour accorde nous la continuité d'en faire sur ibadat avec dévotion, avec l'amour qui les remplit, les continue remplir nous les cœurs, avec l'amour pour faire ibadat pour lui. Chers frères et chers sœurs, comme une continuité à nos réflexions, après le départ du mois de Ramadan, ce qui est important, ce qui bien préoccupe un bon musulman, c'est de nous maintenir dans la continuité. Je me suis trouvé hier. La continuité est obligatoire, la continuité est importante parce que la continuité aide nous pour qu'il nous atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire une bonne action, une bonne action, qu'Allah subhanahu wa ta'ala plie content. Et à travers la continuité, nous pouvons capables exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une ordre de nous ou n'a pas laissé la mort ou une joie de nous excepté qui nous donne l'état de soumission. C'est à travers la continuité, mon frère et ma soeur, qui nous pour gagner un bon amour. Celui qui les peut gagner traca comment tant qu'il l'état se rouge pour quitter ce l'écho. Dans le moment où il y a un rendez-vous avec Malakul Maut, qui dit Allah qui connaît, quand il était ce rendez-vous-là, il est près, il est loin, il est dans un jour, dans quelques jours, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa vérité-là, celui qui peut en vivre mort, dans un état de soumission, celui qui peut en vivre au moment qu'il peut mort, libérons l'eau en action qu'il est pour ressusciter l'eau sa bonne action là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers la continuité, celui qui peut abandonner, celui qui peut relâcher après un mois d'entraînement, après un mois de dur labeur, celui qui peut relâcher, celui qui peut commencer tombe dans négligence, celui qui peut commencer tombe dans PC, il peut faire erreur parce qu'il peut n'a doute, celui qui ne finit commence à arrêter faire salat, celui qui ne finit commence à arrêter lire Coran, celui qui finit recommence ce bon travail haram, ce bon action haram. Après un mois qu'il finit abstenir, qui garantit l'Iéna
qui lui promoule l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi qui n'arrêtes de lever pour namaz fajar, si ton mot au moment qui te fait dormir dans l'air fajar, est-ce qu'il te promoule dans l'obéissance à Allah? Ou bien te fait mot dans un état de désobéissance, dans un état qui ban mounafiq, je te content de dire pas faire salat fajar. Ou toi qui fin retourne dans toute l'indécence à cause de Ramadan finalé. Ou toi qui n'enlève ton jilbab depuis de tous les corps, qui n'enlève ton hijab à cause de Ramadan finalé. Ou toi qui n'enlève ton labob depuis le tofigir. Ou toi qui fait une coupe de cheveux d'une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les finins invoquent la malédiction d'Allah le saban qualité du monde là. Est-ce qui te peut trouve qui dans une situation pareille si l'amour peut joindre toi? Si te tu mords dans le mois de Ramadan, peut-être te tu peux mourir dans l'obéissance à Allah. Te tu peux mourir dans l'abstention contre PC. Mais une fois qu'il te fait une retourne dans ton PC, qui te peut atteindre à bord, qui te mot dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître dans un hadith qu'on y dit, un hadith qui est mentionné dans le Sahih Muslim, yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi, chaque esclave pour être ressuscité le jour du qiyam, l'eau c'est qu'il fait le mot. Si tu continues l'eau ban bon action qui tiennent de toute la vie dans le mois de Ramadan, te poumons l'eau sa ban bon action là, c'est un bon l'amour, te pour ressusciter l'eau sa ban bon action là. Celui qui fait une habitude, celui qui fait une gaye goût qiyam, s'il peut continuer lever pendant la nuit, probabilité qu'il y mot dans le qiyam, l'impossible. Celui qui fait une gaye bon habitude, garde rosa, il peut garde rosa nafil. Nafil Shawwal, ou bien lundi, ou bien jeudi, ou bien 13, 14, 15, comment nous vous trouvez? Probabilité qu'il a mot, joanli, et qu'il est dans un état qu'il peut soumettre à Allah pendant l'état de rosa, l'impossible. Voilà comment la continuité, les pour profiter nous, la continuité pour aider nous pour gagner un bon amour, pour mourir dans un bon état et pour être ressuscité lors d'une bonne action. Chers frères et chers sœurs, alors chacun parmi nous, nous n'avons pas d'efforts qui nous pouvons faire pour maintenir alors, la continuité. Faudrait pas nous gagner l'impression qu'il est automatique à cause mon God et moi Rosa automatiquement mais diamo pour continuer ce bon dimon. Faudrait pas nous arriver à croire qu'à cause mon God et moi Rosa nous pour continuer l'oban bon action. Non. Pareil comme Ramadan, c'est pas par lui-même qui ça changement là qui fait venir dans nous la vie. C'est pas nos volontés et nos efforts. Comme ça même la continuité n'est pas automatique, n'est pas magique. À cause mon God et moi Rosa, me obliger continuer. Ben dire automatiquement moi pour continuer non, il y a des efforts qui besoin faire. Continuer faire des efforts pour maintenir alors la continuité. Et ça ben des efforts là les réfléchir dans certaines ben actions spécifiques. Ça ben des efforts là li à travers certaines bonnes actions spécifiques, parmi ces bonnes actions-là, c'est à travers le dua. Allah subhanahu wa ta'ala, les finances saines nous pour demander-li. Demande-li aide. Demande-li ce aide pour nous maintenir l'eau là, veut dire, pour nous continuer, maintenir l'eau le droit chemin. L'eau ça veut dire, bon la vie qui nous permet dans Ramadan. Sans l'aide d'Allah, c'est impossible. Sans l'aide d'Allah, même pour nous vivre dans l'ibadat, sans l'aide d'Allah, c'est pas possible. À cause de ça même, Allah subhanahu wa ta'ala,
Les fin oblige nous 17 fois minimum, 17 fois par jour. Si vous compte 10 ou ban namaz faraz, 17 fois par jour, ou dire avec Allah, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et Allah fin enseigne nous dans sa surah là, plie pas devant pour dire, Ihdina sirat al mustaqim. Mais dire pour faire ibadat Allah ou bisa Allah sur aide. Ou bisa la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faudrait Allah te fin guide nous. Combien comme nous il traverse avec Ramadan, pas fini le changement de la vie. Il n'est pas fin changé, il n'est pas fin garder ça, il n'est pas fin retourner vers Allah, il n'est pas fin être pardonné, il n'est pas fin tauba. Combien il y en a comme ça? Mais si nous nous fin gagner l'occasion, nous fin changé, nous fin rapprochons avec Allah à travers ibadat, c'est par permission Allah, avec l'aide d'Allah. Donc, supplier Allah, faire dua avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne ban prophète, ban dua, comme Rabbana, la tuzi'a qulubana, ba'da idh hadaytana, wa hablana min ladunka rahma, innaka anta al-wahhab. Dans sa dua là, pourtant, dua qu'Allah peut enseigner, ban meyeya djimoun qui peut vivre sur la terre. C'était pas ban djimoun qui peut vivre dans le péché. C'était pas ban djimoun qui peut vivre dans la désobéissance ou bien dans l'négligence. Ban prophète, c'est ban djimoun qui ont la vie en entier afin de vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, Allah peut enseigner ce dua pour demander avec Allah, Rabbana, oh nous Rabb, la tuzir qulubana. N'a pas dévié nous l'équerre. N'a pas dévié nous l'équerre. Ba'da idh hadaytana, après qu'il te fin guide nous. Oh Allah, te fin accorde nous la guidance, te fin accorde nous le pardon, te fin accepter nos repentances, te aide nous pour changer. Oh Allah, pare dévier nous l'équerre après la Ramadan. Oh Allah, préserve nous. Oh Allah, accorde nous la continuité, nous la guidance après la Ramadan. Suppliez Allah. Continuez de demander avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Rapportez par Anas radiallahu anhu, les dits d'un hadith qui trouve dans Tirmidhi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'étipédie à sa dua là beaucoup. L'étipédie à sa phrase là beaucoup. Le messager d'Allah, celui qu'Allah t'y donne la fermeté, l'eau le chemin droit, l'eau sur l'obéissance, celui qui t'y plie à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'y préserve lui, t'y préserve lui contre l'égarement. L'étipédie à sa phrase là beaucoup. Qui phrase, Ya muqallib al qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi, celui qui tourne ban l'équerre. Oh toi, celui qui manigance ban l'équerre. Rafé ami mo l'équerre. Ferme l'équerre, tini ferme l'autre din. Le prophète d'Allah fin demande la continuité. Après qu'il fin ressenti la guidance d'Allah, il fin supplier Allah. Pour accorder la fermeté à l'istiqama. Ba'da l'hidaya. À l'istiqama. Après qu'il fin ressenti qu'il faveur Allah. Qu'il fin être guidé. Et tu peux supplier Allah. Ou Allah préserve-moi l'oula. Ou Allah rafé à mi moleké à kiffer. Parce qu'il dit, applie pas devant dans le hadith là. Alors, sa sahabi là, Anas radiallahu anja moufine demande lui. Au messager d'Allah, nous fin amène iman dans où et dans livre avec lesquels nous fin vini. Nous n'amène iman dans où, nous n'amène iman dans le Coran. Est-ce qui malgré ça, ou en a la frayeur pour nous? Nous n'amène iman dans où, nous n'amène iman dans le Coran. Est-ce qui ou encore en a la frayeur qui nous être dévié? Qui nous pas continuer dans le chemin droit, qui nous pas continuer dans l'obéissance à Allah? Nous dévier depuis l'obéissance à Allah. Est-ce qu'il vous paye ça pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réponse. Oui, certainement. Ban l'équerre trouve entre dès les doigts. Parmi ban les doigts d'Allah. Ban l'équerre trouve entre deux les doigts. Parmi ban les doigts d'Allah. Les tournes sa kouma li oulé.
Li tourne li dans direction qui li ou li. Si li envie la guidance pour sa dimon la, li tourne li vers la guidance. Si li envie l'égarement pour sa dimon la, par ce sagesse, li tourne li vers l'égarement. La continuité, c'est Allah qui accorde à ce ban esclave qui retourne vers lui, qui montre lui, qui se intéresse avec la continuité. Je t'envie la continuité. Je désire la continuité. Mais si au fond nous l'écrire, nous t'y peux attendre quand Ramadan pour finir. Pour qu'il nous capable retourne ban esclave du Satan. Pour nous capable retourne ban esclave de nos désirs. Pour qu'il nous capable rattrape nos retards dans ban haram qui nous fait rater. Allah dit qu'on lit. Allah dit qu'on lit. Cachette Jimon, cachette maman, cachette papa, cachette madame, cachette monsieur. Nous n'avons pas pour capable cacher Allah ce qu'il y a dans sa l'intérieur là. Allah lui t'y finit qu'on est. Qui ban qui plaît avec Ramadan. Qui ban qui tient patient. Pour trouver la ligne Eid. Pour être capable de retourner. Pour être capable de retourner dans cette déviation. Na'oudou billah. Qu'Allah pardonne nous. Qu'Allah protège nous. Qu'Allah pas fait nous. Pas accepter nous parmi sa même catégorie du monde là. Nous encore, il y a la chagrin dans nous l'équerre que Ramadan fin quitte nous. Nous encore, il y a la chagrin dans nous l'équerre qui nous n'est plus jouir, pas capable de jouir ban vertu du mois de Ramadan. Et nous encore, il y a nous l'équerre rempli avec désir pour nous maintenir l'eau, pour nous maintenir avec fermeté l'eau, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire nous 11 mois jusqu'à l'autre Ramadan, ressembler le mois de Ramadan dans l'obéissance à Allah, dans l'ibadat, dans une bonne action, dans un bon caractère, dans un bon comportement, dans vivre comme un vrai esclave, comme un vrai musulman, un vrai musulman qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, dans ce hadith-là, Allah peut faire nous connaître la vérité, peine à garantie, garantie, que vous pourrez tout le temps la même trajectoire peine. L'équerre trouve entre ben les doigts d'Allah. Allah lui donne les côtes lui envie. Si vous exprime ou veut que Allah n'a pas détourne ou l'équerre. Depuis que Allah fin guide lui. Dans le mois de Ramadan. Continuez de demander avec Allah. Continuez supplier Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et sa supplication là. Les mors avec zéfo. Ou pas capable, lève la main ou cause avec Allah ou Allah. Fais-moi tini ferme. Mais dans ou action, ou pas peut montrer à Allah qu'il a envie de tini ferme. Ou fin-fini commence rat salat avec jamat. Ou fin-fini commence retard salat jusqu'à ce en déo solaire. Ou fin-fini commence cause mentir. Ou fin-fini commence retourne dans PC. Il pas correspond. Ou doa avec ou action bizarre correspond. Ou doa pour demander à Allah faire ou tini ferme avec ou ban action qu'il peut faire. Ou bien montrer à Allah qu'il y a encore peut continuer sa bonne action là. Salat, lecture Coran, Qiyam, Rosa, Sadaqa. Sa bonne action là, bien peut continuer dans la vie. Chers frères et chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, dans le Mustadrak, certainement iman, l'usé à l'intérieur de chacun parmi eux. Iman, l'usé à l'intérieur de chacun parmi eux. Pareil comme un vêtement, l'y usé. Pareil comme une linge, l'y usé. Alors, demande Allah pour renouveler l'iman dans cette l'équerre. Demande Allah pour renouveler l'iman dans cette l'équerre. C'est-à-dire, Allah fin donne-nous Ramadan pour renouveler l'iman dans l'équerre. S'il y a un relâchement après Ramadan, l'équerre là pour user plus vite encore. Il pourrait retourner sa raflette dans laquelle nous étions avant le mois de Ramadan. Il n'est pas pour tarder pour retourner dans la vie. Sa léthargie, sa l'oubli, sa négligence, sa désobéissance, sa mauvais djimoun qui nous étions avant Ramadan. Il n'est pas pour tarder pour nous retourner sa djimoun là. Parce que l'iman, c'est une quelque chose qui n'est pas reste tout le temps pareil. Il est usé. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Ça c'est l'aqidah ahl sunna wal jama'a. Ça c'est l'aqidah du prophète alayhi salatu wa salam et son compagnon.
iman li augmenté et iman li diminué. Allah fin donne nous Ramadan pour augmenter nos iman, pour renouveler nos iman, pour renouveler nos taqwa. Chers frères et chers sœurs, quand un loto sur l'essence peut diminuer, bien sûr, au Poubissin, arrête quelque part. L'on feeling ou rempli ou tank. Qui pour faire après? Pour arrêter le tout là dans quoi? Dans Caroucan? Pour qui vous continuez à rouler? Pour qui vous continuez à rouler? Ça, c'est raison d'être qui fait une ré-remplie d'essence. Si vous connaissez qui vous parle mettre le tout là, dormez. Pas qu'il n'y a aucune utilité de remettre l'essence là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala li créateur sa l'écho de sa l'écho insan là. Sa l'écho insan là avec façon qu'il y fonctionne physiquement et aussi veut dire spirituellement concernant nos din, nos iman. Allah pli con nous l'écho qui non. Allah pli con nous l'écho qui non. Voilà qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous un moment dans nous la vie pour renouveler nos iman. Et surtout nous, ban qui peut vivre dans sa ban dernière époque, qui la terre est minée avec ban fitna, qui explose nos iman, qui enlève nos iman depuis dans nous les cœurs. Pas juste diminuer, user, nous faire face à un danger beaucoup plus grave. Qui iman diminuer? Si iman diminuer, mais il y a encore resté dans l'équerre. Il n'est pas bon, il est mauvais. N'importe qui est capable, il est capable, fini, il est capable, casser. Mais, ben fitna qui enlève iman depuis dans l'équerre. Zodi nous entourer avec sa bonne qualité fitna là. Ben légalement. Qui enlève l'iman depuis dans l'équerre, qui fait où du matin au soir, dans l'espace un jour, dans l'espace un la nuit, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a veillé à nous. En l'époque pour venir, que du monde peut dormir avec l'iman, il peut lever, il n'est plus un iman, il n'est plus mu'min, il finit un kafir. En du monde, il peut lever avec l'iman le matin, il peut dormir le soir, il n'est plus mu'min. Il peut dormir à soi avec l'iman, il lève le matin, il n'est plus mu'min. Ça l'époque nous peut vivre, mon frère et ma soeur. Si dans l'époque pareille, nous pas senti le besoin de la continuité, est-ce qu'il nous pas peut prendre risque? Est-ce qu'il nous pas peut prendre risque, perdre l'iman? Il n'y a pas un petit risque. Un risque qui peut faire nous à le regretter, qui peut faire nous à le souffrir, pour l'éternité, après nous l'amour. Voilà qui fait la continuité qui fait important pour nous tous, chers frères et chers sœurs. On fait beaucoup bien, on fait tchikit dans Ramadan. On profite beaucoup bien, on profite tchikit. La continuité obligatoire pour nous tous. La continuité obligatoire pour chaque musulman. Il y a un devoir à chaque musulman, homme, madame, jeune et vieux, grand et petit, pour nous continuer tchini ferme après Ramadan. L'eau nous le veut dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous continue de tenir ferme après le mois de Ramadan. L'eau ça va une bonne action qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin guide nous l'eau là. Chers frères et chers sœurs, après doua, deuxième effort qui bise à faire, continuer à faire doua, n'a pas arrêté de faire doua après Ramadan. C'était pas juste dans les iftars que nous tu peux faire doua, beaucoup doua, c'était fini, nous n'avons plus trouvé l'importance doua. C'était pas dans nos bonnes kriyam, dans nos bonnes longues sijda, que nous tu peux faire doua, c'était nous n'avons plus trouvé l'importance doua, non. Bizarre continuer. Déjà, mes efforts, chers frères et chers sœurs, que nous commençons les dans Ramadan, que nous bizarre continuer les après Ramadan, si nous avons la continuité. C'est la lutte contre Shaitan. Pas évite ce qui est haram. Celui qui peut envie continuer à maintenir dans l'obéissance à Allah, un deuxième effort qu'il vient faire. C'est la lutte qui nous finit amener pendant Ramadan contre ça l'ennemi qu'appelle Shaitan. Pas évite sur l'obéissance. Évite obéir à lui. Évite
Réponds sur l'appel. Évite répondre sur da'wat. Évite ce piège. Allah dit dans sourate 18, ayat 50. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Est-ce qu'ils te prennent lui, Iblis, et ce descendant, comme allié, veut dire comme protecteur? Allah pose nous question. Est-ce qu'ils te prennent Iblis et ce bon agent, comme descendant, comme famille, et comme allié, comme camarade, comme protecteur? Apporte-moi, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'ils bannent là ces autres l'ennemi. Tandis qu'il banne là, Shaitan et que ce banne agent, ces autres bannent l'ennemi, l'ennemi insan. Comment c'est un mauvais échange de la part de ban valim, de la part de ban injuste. C'est ban injuste qui fait ça. Un Rab qui guide toi. Un Rab qui n'acceptait pas, donne des années sur errer. Des années sur péché. Qui toi-même te bâtit dans l'espoir qu'Allah te pardonne toi. Allah n'accepte pas pardonne toi pendant Ramadan. Allah n'accepte pas de tauba. Il n'accepte pas pardonne toi. Il guide toi. Tu fin témoin la guidance. Allah fin tire-toi depuis le chemin de noirté. Fin mets-toi le chemin de la lumière. Est-ce qu'il te pourrait tourner comme un. Un qui est fidèle à Shaitan, à tout l'ennemi, est-ce qu'il te pourrait tourner? Un qui pourrait l'obéir à lui, qui pourrait le prendre lui comme ta famille, qui pourrait le prendre lui comme ton allié, ton camarade, comme ton protecteur? Allah peut qualifier sa ban djibun là comme ban injuste. Allah peut qualifier ça comme un injuste. Qui fait? Parce qu'il dans place qu'ils ont utilisé mettre reconnaissance, je peux mettre l'ingratitude. C'est ma peine injuste, celui qui met une petite chose qui pas dans sa place. À la place de reconnaissance, quand tu disais reconnaissant envers Allah, tu disais remercier Allah pour sa guidance, pour sa pardon, pour sa pitié, pour sa faveur qui te jouit pendant le mois de Ramadan, pour Laylatul Qadr, pour Qiyam, ce Thawab. Au lieu de reconnaissance envers Allah, tu fin tourne en infidèle à Shaitan, l'ennemi Allah, de l'ennemi. C'est l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans surah 2, ayat 208, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Et n'a pas suivi les pas du Satan. Et n'a pas suivi les pas du Satan. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. Certainement, l'épousote est l'ennemi clair. Chers frères et chers sœurs, moi et où ensemble, à nous pose nous-mêmes une question. À nous pose nous-mêmes une question. Et nous réfléchissons là avec l'équerre, avec l'esprit, avec l'intelligence que Allah fin donne nous. Est-ce que Allah t'y oblige à avertir nous contre Shaitan? Est-ce que Allah paie Shaitan? Shaitan capable de faire Allah dito, na'oudou billah, jamais. Shaitan qui paie Allah. Allah pas paie Shaitan. C'est nous qui bisons paie Shaitan, ce dito. Shaitan nous l'ennemi. Shaitan pas pour capable de faire Allah dito. L'indéclat, coufre. Rébellion contre Allah à cause de l'arrogance, mais il n'est pas pourquoi pas faire Allah dit tout. Mais il est capable de faire nos dito par permission Allah. Et il décide pour faire nos dito. Est-ce qu'Allah t'est obligé à avertir nous contre Shaitan? Allah n'a pas aucune obligation. Mais Allah fait une fête. Qui fait? Pose-moi question. Me pose-moi question. Qui fait Allah fina verti nous sa quantité là contre Shaitan et Soban Azan? Parce qu'Allah compte en nous. Parce qu'Allah compte en nous. Parce qu'Allah a raham pour nous. Parce qu'Allah a pitié pour nous. Parce qu'Allah n'a pas envie de trouver nous à être détruits ensemble avec Shaitan dans l'enfer.
Allah subhanahu wa ta'ala. Sa partie puissance n'en est ni pour lui, mais pour nous plutôt. Qui Satan il fait pour nous? Pose-nous la question. Et insan, qui Satan il fait pour toi? Apporte cette destruction. Qui Satan ou les pour toi? Qui ça dimon qui capable venir de l'avant? Qui capable dire non, moi Iblis il fait du bien pour moi? Qui sont là qui capable venir dire qu'avec Iblis les dents bien-être? Iblis promet nous seulement la pauvreté, la destruction, le blâme, le déshonneur. Chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire nous ça, n'a pas suivi Shaitan, lui, comme si dirait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ipé sagré nous. L'ipé sagré nous. L'ipé gagne nous tracas. Nous obéir à lui, c'est pour nous qu'il est bon. Nous pas obéir à lui, c'est pour nous qui nous pas le subir. Allah, ça pas puissance, non, il est pour lui. Voilà qui fait la continuité. L'obéissance à Allah. Fermeté. Évite ce qui est haram. Évite l'obéissance, shaitan. Voilà qui fait lien important pour nous. Voilà qui fait lien important pour nous. Qui nous continue à tenir ferme après le mois de Ramadan. Chers frères et chers soeurs, dans Sourate 35, ayat numéro 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna shaitana يعدكم إن الشيطان لكم عدو الشيطان لين لنمي بوزت فاتخذوه عدوا prend لكم أن لنمي إنما يدعو حزبه écoute celui qui aussi vite l'infini blié qui s'en a shaitan t'allez là Allah t'attache t'enchaîne sa l'ennemi là pour te comprendre. Qui était Shaitan pour toi et Insan? Celui qui est fini oublié dans sa trois jours là, Allah peut rappeler. À la lumière de sa ayat Quran là comme un rappel. Allah peut dire, hey Insan, Shaitan, pour jeter l'ennemi, prends-le comme un ennemi. Innama yad'u hizbahu, li simplement invite ce parti. Li simplement invite ce partisan li yakounou min ashab al-sa'ir pour zotvin parmi ban habitants diffé enflammé pour zotvin parmi ban habitants l'enfer et insan pas moi-même pas ou même qui hier tu peux plaire avec Allah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma inna na'udhu bika min adhab jahannam. Pas ou même qui tu peux verser l'âme dans le qiyam, dans le sijda, pour dire Allah protège contre l'enfer, mais Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire nous connaître. C'est Satan qui amène du monde, qui invite du monde vers l'enfer. Mais si tu ne demandes à Allah, si tu es sincère dans te demander à Allah, oh Allah protège mon famille contre l'enfer, comment est-ce qu'il te retourne un du monde qui peut retourner vers l'adoration Satan, vers l'obéissance Satan? Comment tu ne retournes camarade avec Satan quelques jours, Ramadan, il quitte toi in aller? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde de la compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente nos connaissances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous contre Shaitan. Lui protège nous contre l'égarement. Lui protège nous contre fitna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde nous la continuité dans son obéissance jusqu'à nous la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le tawfiq pour nous continuer à maintenir. L'oban bon, l'habitude qui nous fait gagner, par permission Allah, dans le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et lui faire de ce rappel là, un rappel qui profite nous et qui lui protège nous contre un rappel qui n'est pas profitable ou bien qui n'a pas fait nous vivre parmi ban qui après qui finit être rappelé, nous continuer à se battre désobéissant envers Allah. Wa sallallahumma ala nabina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.